Primero, la palabra es, según el programa, a Monsieur Luigi Bursotta. Io sarei tentato di parlare in italiano, visto che qui si parla in spagnolo e in francese. Ecco. Ma je partage ce qui a été dit ici à propos de la corrida, de torero, de tout. Je partage. Très bien. Et alors, je n'ai rien à dire sur ce sujet, pour moi. Tout a été dit. Mais je voudrais parler d'un argument très important. Comme je viens de l'Italie et comme je suis à côté de Gérard Pommier qui s'occupe maintenant de la question de la neurosciences en France, et en Italie nous avons aussi ces problèmes, mais en Italie c'est encore plus grave parce que déjà tout est fait. Ce qui est inventé pour la France, en Italie, a été déjà réalisé. C'est-à-dire, désormais, le cognitivisme en Italie, la psychothérapie cognitiviste déborde. Déborde. Et j'ai avec moi ce document qui est de la région Lazio. Regione Lazio, c'est-à-dire en Italie, ce sont l'institution qui gouverne la santé. Et alors, il a fait des directives. Il y a des directives pour la formation de ceux qui s'occupent de psychothérapie. Ils doivent acquisir des techniques spéciales et surtout acquisition des techniques cognitives comportementales. Et alors, si quelqu'un, s'il y a quelqu'un avec un visage social qui va dans les institutions, qui est très fréquenté en Italie, alors ce qui est conseillé, c'est surtout une psychothérapie comportementale. Voy a traducir un poquito para los que no hablan el francés. Dice que hay un cambio importante en el psicoanálisis y que lo que hay en Italia es una psicoterapia comportamental. Alors, comme je suis je suis venu ici, j'ai ce document, c'est seulement 2 pages, il y a quelque chose comme ça, qui explique comment on doit faire. Non, c'est la région là, c'est une institution, en Italie c'est l'institution qui gouverne la santé. Lo habla desde una institución que gobierna la salud. In Italia si chiamano linee guida, ma on peut dire le directive pour tous. È una directiva para todos. Allora, come j'ai avec moi un document qui est de nos amis italiens. Un documento di una amica italiana. C'est un retroverto candidat s'est présentato aux prochaines élections pour sensibiliser. Pour sensibiliser les politiciens sur cet argument. Para que sensibilicen los políticos. Alors, ce que je demande, c'est aussi, comme a fait pour les Français, soit fait aussi pour les Italiens. Tanto comme l'ont fait les Français, hacerlo los italianos. C'est-à-dire que la Fondation Européenne pour la Psychanalyse soutient ce document. Que la Fondation Européenne pour le Psychoanalysis pueda soutenir ce document. C'est ça, c'est seulement ça que je voulais dire. C'est ce que quiere decir en la inauguration. Monsieur Gérard,
pommier. Oui, je vais juste dire un petit mot. Au fond, avec la question de ce qui est en jeu dans la corrida, dans cette mise en scène, il y a peut-être le fond le plus archaïque du rapport sacrificiel de l'homme à lui-même. En même temps que le fond de ce qu'on peut appeler l'art d'avant l'art, un art analphabète, un art qui s'épuise dans son propre geste. C'est-à-dire, une fois que vous avez fini le geste artistique, il ne reste rien. Il ne reste rien, il faut le voir, il faut l'avoir fait. C'est un art d'avant l'art. De même que pour l'effectuation de cet art, celui qui s'y soumet doit accepter une sorte de mort. Il doit être sacrifié avant même de rentrer dans l'arène. C'est une mort grâce à laquelle il survit. C'est donc une mise en scène originaire, encore le plus primitif de l'homme au sacrifice. Je vais employer une image forte sans la développer, mais au fond, c'est la mise en scène du sacrifice d'Abraham qui est remise en acte au cœur de la reine elle-même. C'est donc quelque chose à la fois d'extrêmement archaïque, quelque chose qui concerne toutes les religions et quelque chose qui concerne la naissance de l'art lui-même. Bon, je dis ça pour montrer, je dirais, à quel point cette décision de faire quelque chose à Séville sur le taureau me paraît importante pour comprendre le geste du psychanalyste lui-même, qui lui aussi doit disparaître pour la renaissance, en quelque sorte, grâce à la parole, dans la parole. Voilà. C'est peut-être trop résumé ce que je dis, mais je vais être prêt dans mon expression. Hein? Dice que para él, quiere hablar en esta inauguración de lo que tiene que ver con la muerte y que va a haber un sobrevivir, que lo que hay es una puesta en escena original de lo primitivo, que tiene que ver con el sacrificio del hombre, una puesta en escena de sacrificio de Abraham que apunta al corazón el mismo y que tiene que ver con un arte sacrificial en donde el gesto es el mismo que utiliza el psicoanalista, porque va a desaparecer para después permitir el renacimiento mediante de la palabra de algo nuevo. Ahora, ¿el micro? Oui, bonjour. Alors, pour ceux qui ont pu avoir la chance d'être là tout à l'heure et apprécier le ce qui a pu être dit, je ne peux même pas appeler ça des discours parce que c'était tellement peu formel et tellement fort de ce que nos deux amis Roland Chemama et Garcia Fons nous ont dit en parlant de la corrida, qui évoque chez moi ce combat dont je vais parler demain, les combats pour le désir, ce combat de rencontrer, comme Gérard Pommier vient de le dire, sa propre mort pour rencontrer aussi son désir. Et je vais encore m'appuyer sur ce que disait tout à l'heure Roland, ce qui constitue une grande part de mon travail actuellement, c'est ce combat que nous menons contre les dogmatismes différents, contre aussi cette réduction de l'humain à une intelligence presque robotique, avec les neurosciences, et ce combat pour la parole, ce combat pour le désir qui naît avec l'amour et la parole.
Donc je pense que ces journées vont se dérouler un peu dans ce sens, loin des chemins battus, avec, avec ce que la Fondation a toujours su faire, c'est-à-dire oser un chemin nouveau, oser affronter quelque chose de difficile pour défricher le chemin vers ce qui est le désir que la seule psychanalyse quand même, enfin il y a l'art bien sûr aussi, peut décoller autrement que l'art bien sûr du symptôme. Donc c'est un combat quand même pour notre discipline qu'aujourd'hui peu d'analystes mènent vraiment englués dans les préjugés, ce qu'on avait tous un peu pu constater ensemble à Toulouse lors du colloque sur le populisme, dans les préjugés et dans les, en nous engluant dans des discours figés, et c'est une invitation à faire autrement et oser affronter aussi notre époque, les dangers qu'elle présente et les ouvertures qu'elle peut promettre. Voilà, merci. Borana dice que ella lamenta mucho para los que no pudieron estar hace rato en lo que hablaron Tristán García Pons y Roland Chemama sobre la corrida, porque el discurso del que hablaron es un discurso fuerte, en donde hablan de que la corrida evoca un combate del que ella va a hablar mañana, que es el combate del deseo, el reencuentro con el deseo. Dice que el trabajo de Roland le ayuda y le inspira, porque está también en este momento ella trabajando parte de ese combate del que habla sobre el dogmatismo, combatir la reducción de lo humano y de lo robótico, todo lo que tiene que ver con la neurociencia. Nosotros lo combatimos, dice Borana, por medio de la palabra, el amor por la palabra, y es lo que hace la FEP, porque también sufre en su camino de varios psicoanalistas que están en un sitio de prejuicio. La FEP, en cambio, intenta osar buscar caminos nuevos, caminos difíciles, pero nuevos, hacia ese deseo que puede ayudar a separar el síntoma. En Toulouse pudimos ver varios psicoanalistas que todavía quedan en la cuestión de los prejuicios y de los discursos fijos. La FEP, en cambio, intenta hablar sobre las cuestiones de nuestra época, sobre los daños que hay actualmente y también las aperturas. Oui, bonjour. Dans la mythologie, il y a le Minotaure, mais il y a également le rapport entre Europa, Europe, et le taureau. Et donc, on se trouve au sein de la Fondation européenne, Fondation d'Europa. Alors, comment vivre, comment vitaliser ce rapport-là? Donc cette fondation européenne n'est pas répandue de façon régulière sur tout le terrain de l'Europe. Elle est plutôt centrée dans ses centres d'activité sur la France, notamment Paris, puis l'Espagne, quelques villes, l'Italie. Et puis il y a certains membres qui sont un peu distribués là et là. Mais comment relancer, intensifier les échanges entre ces membres, ça je trouve un grand défi. Donc moi, en ce moment, j'ai cette charge-là de secrétaire scientifique. On pourrait aussi peut-être l'appeler secrétaire de recherche. Et il y a plusieurs années, j'ai déjà eu cette charge-là et j'avais proposé de faire une espèce d'enquête parmi les membres pour savoir quels sont leurs intérêts, qu'est-ce qu'ils travaillent et par quoi sont-ils travaillés. Mais la majorité du bureau à l'époque disait « Attention, on ne va pas faire ça parce que cette enquête, ce questionnement peut avoir un caractère de persécution. » Donc, vaut mieux pas. Mais comment faire, comment faire
prononcer l'intérêt de chacun, de chacune entre nous. On se retrouve normalement dans des séances plénières et je ne sais pas comment on peut entrer peut-être dans un travail un peu plus détaillé. Donc une proposition très très simple, ça serait qu'on recoupe dans les congrès ou les journées de travail un espace de temps pour de petits ateliers, mais avec très peu de gens, un peu comme des cartels, mais pas des cartels donc, qui vont durer pendant des mois, des années, mais quelque chose qui change aussi le registre et la qualité de l'échange par rapport à ces petites sections d'échange, de débat généralisé. Quoi. Ok, c'est une proposition pratique. Klaus dice. Klaus dice que estamos en la mitología, el Minotauro, la relación con Europa y el toro. La Fundación Europea para el Psicoanálisis y su relación, que esto de Europa tiene un centro de actividad en Francia, en España, en Italia, y que entonces él se pregunta cómo poder relanzar para intensificar ciertos cambios. Había pensado en un desafío de poder, teniendo él ahora el cargo de secretario científico de la mesa directiva de la Fundación Europea para el Psicoanálisis, poder encontrar quizás la posibilidad de hacer una encuesta a los miembros para preguntar sus intereses, cómo trabajan, qué podemos hacer, pero que se pensó que podía ser un poco persecutorio. Y entonces él está proponiendo de qué otra manera se puede hacer una nueva forma de trabajo. Él dice un trabajo que le parece a él podría ser más detallado, una especie como de cártel, pero sin que fueran cártel, como una especie de pequeños talleres en donde la gente pudiera debatir, hacer intercambios generalizados de una manera más pequeña, y que es para él una proposición que él quiere lanzar en este coloquio. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a pasar a la primera mesa, si están de acuerdo.